Je vois bien. Ça fait vraiment très très plaisir d'être avec vous ce soir et je suis très très heureux de vous présenter notre grand orchestre d'environ 70 musiciens. Ce concert, on l'attend depuis quelques années. Ça fait plusieurs fois qu'on repousse et enfin, ils sont là. Je dois dire que je me réjouis énormément de pouvoir les accueillir chez nous, au Val d'Ajol, nos amis québécois. Donc, vous imaginez que ça n'a pas été facile à organiser, avec toutes les contraintes, les défis, quasi 70 musiciens sur la scène. Mais on y est arrivé. Pour notre plus grand plaisir, et pour le plus grand plaisir de tous les musiciens, alors je pense que ce soir, on va vraiment savourer notre joie, savourer chaque note de ce concert, et profiter au maximum de ce moment à être ensemble. Je vous souhaite un très bon concert, et puis à tout à l'heure pour d'autres allocutions. Sur les présentations de morceaux. Donc on a commencé avec une pièce d'ouverture, vous avez vu, assez enlevée, j'ai pas besoin de vous la décrire, je pense que vous en êtes rendu compte par vous-même. Ça met en confiance les musiciens, ce genre de pièce, et le chef aussi, c'est quand même très important, parce que, comme dirait Guillaume, on était un peu fébrile au début, et là, on se sent vraiment très très bien tous ensemble. On va continuer avec une pièce de Jacob Dehaene. Alors Jacob Dehaene, c'est un super compositeur pour orchestre d'harmonie. Donc quand on a 70 musiciens, on fait de la musique qui est écrite pour eux. Donc ça va commencer dans une ambiance très très calme. C'est un voyage musical en fait qui va vous amener en fait à travers l'état de l'Oregon. Voilà. Et vous entendrez après cette introduction lente en fait le sifflement du train qui sera fait par les trombones. Alors les trombones ce soir, ils ont tout au long du concert, on n'a pas fait exprès, mais ils ont une place un petit peu particulière dans certains morceaux et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure.